Roméo. Juliette. Embrasse-moi. Ça va pas, non, des fois. Pourquoi pas? Parce que si je t'embrasse, là, on aura l'air chouette. Roméo et Juliette, version fantôme. Ces jeunes sont en train de répéter le rôle qu'ils interpréteront dans un escape game. Dans ce jeu à indices et énigmes, le public rencontrera ainsi divers personnages atypiques, à faire parfois froid dans le dos. C'est des sortes de fantômes c'est quand vous qui hantent ce théâtre. Et une équipe va devoir se séparer et essayer de trouver comment chasser les fantômes. Okay. Attendez. Tu vois, attention, saignez bien. Oui, non, ça y est, vous êtes là. Je vous attendais. Tiens ta phrase jusqu'au bout. Les jeunes créateurs du jeu sont accompagnés par deux comédiens exigeants. Pour être crédibles, ils doivent être à la hauteur de leur rôle. Ben, moi, je vais jouer un fantôme un peu terrifiant avec trois autres filles. Et on va être au sous-sol, on va devoir faire un dialogue en découvrant le public. Et voilà. Ça fait quoi de jouer un fantôme ? Mais en vrai, c'est un peu bizarre parce qu'on interprète quelque chose qui n'est pas forcément réel. Donc du coup, en vrai, c'est bien, mais on teste plein de choses. Donc du coup, c'est pas mal. Du coup, vu qu'ils vont passer par votre table... Le scénario et les énigmes ont été réfléchis ensemble. Donc l'idée, c'est qu'il y ait peut-être des pas d'un fantôme. D'un fantôme qui est plutôt un enfant, hein, parce que les pas sont petits. Donc il faudra découper les pas pour aller jusqu'aux loges. Le grand théâtre d'Albi a nourri l'imagination du groupe. L'idée, c'est de découvrir le lieu, la scène nationale, qui est immense, et d'aller aussi dans des endroits où le spectateur ne va pas d'habitude, donc dans les loges ou alors sous la scène. Et sous la scène, l'ambiance sera particulièrement inquiétante. Il faudra du cran pour résoudre cet escape game singulier.